Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ses régions ultra-périphériques. Voici les titres. Peu d'Antillais pour se souvenir de Clarissa Jean-Philippe à Montrouge. Des gangs de malfrats antillais se montent dans l'Hexagone. Actuellement dans la baie de Fort-de-France, un navire extraordinaire. L'économiste Jean-Marie Noll prétend que nous sommes dans un basculement de la départementalisation. Votre avis compte, êtes-vous surpris par l'ampleur du score 12-0 infligé au Golden Lion par l'équipe de Lille en Coupe de France? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Voilà pour les titres. Hier, dans ce journal, nous vous avons parlé de l'hydroxychloroquine, réputée être efficace contre le coronavirus. Une erreur de montage nous a empêché de vous signaler que ce faux médicament a tué pas moins de 17 000 personnes. Une fois par semaine, frottez doucement vos ongles avec du jus de citron pour leur redonner leur éclat. Vous pouvez également les limer pour les renforcer. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne, il en sera de même demain. Le nouveau Premier ministre de la France est Gabriel Attal, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. On retiendra d'Elisabeth Borne qu'elle a surtout gouverné à coup de 49-3, tant sur les retraites que sur l'immigration. Le maire de la ville du Lamentin et la médiathèque de la ville proposent une rencontre musicale avec l'artiste Tony Polomac et son groupe Zacraband. Aujourd'hui, mardi 9 janvier à 19h à la médiathèque du Lamentin. Tony Polomac est un artiste polyvalent, chanteur, flûtiste, musicien, auteur et compositeur. Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous avec vente et dédicace d'albums. Curieusement, les associations qui fédèrent la diaspora antillaise en France étaient absentes. Absente de la manifestation organisée en hommage à Clarissa Jean-Philippe hier lundi 8 janvier à Montrouge, dans la banlieue parisienne. Il n'y en avait pas une seule, elles qui sont si présentes lorsqu'il faut manifester pour l'installation de statues pour rappeler que les Noirs ont été pendant longtemps des esclaves. Il n'y avait pas non plus un seul parent ou représentant des parents de la jeune policière. On a noté par contre la présence de Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté. Notons que la déformation de l'histoire a déjà commencé. Certains affirment que c'est le courage de Clarissa Jean-Philippe que l'on a honoré. En réalité, c'est le seul fait de porter un de ces uniformes dont sont vêtus ceux qui sont au service de la République qui a provoqué son assassinat. Un tournoi international de tennis réservé aux femmes a commencé ce soir, mardi, sur les cours de tennis de la SPTT à la Pointe des Grives. L'organisation de cette manifestation a coûté 50 000 euros. La gagnante de ce concours devrait empocher 14 000 euros. La réalité est en train de dépasser la fiction. Le gang des Antillais. C'est un film produit en 2016. Mais aujourd'hui, ce sont de véritables gangs d'Antillais, notamment des Guadeloupéens, qui semblent être en train de s'installer en France. La police estime qu'ils sont environ un millier de malfrats antillais. Air Caraïbes explique que si elle n'a pas communiqué comme elle aurait voulu avec les quelques 500 passagers qui ont été bloqués pendant 3 jours à l'aéroport du Lamentin, c'est parce qu'elle ne disposait pas des mails et des numéros de téléphone de tous ses passagers. On notera à ce propos que les haut-parleurs de l'aéroport fonctionnaient normalement et qu'une communication était possible par ce moyen-là.
Un cri d'alarme vient d'être lancé. Les eaux minérales qui se trouvent dans des bouteilles en plastique seraient polluées par du plastique, précisément. Mais aucune étude ne démontre que ceux qui boivent ces eaux-là meurent plus tôt ou souffrent plus de maladies que les autres. L'homme ne se laissera pas mourir, c'est quelque part ce que démontre l'Energy Observer, ce bateau qui est actuellement en Martinique. Il s'agit en fait d'un véritable laboratoire sur l'eau, dont l'objectif est de mettre au point des technologies qui permettent de se déplacer tout en utilisant moins de CO2 et donc tout en luttant contre le réchauffement climatique. Il a à son bord de nombreux ingénieurs. Ce bateau est équipé d'ailes de propulsion éolienne qui permettent de réduire de 15 à 45% la consommation énergétique et qui peuvent être utilisées par tout type de navire, tant par les paquebots de croisière que par les porte-conteneurs. L'Energy Observer est également équipé de 202 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et d'une chaîne complète de production d'hydrogène à partir de l'eau de mer. L'hydrogène que certains considèrent comme l'énergie de demain. L'Energy Observer devrait quitter la Martinique le 14 janvier. Les militants qui réclament réparation pour les dommages provoqués par le chlordécone envisage désormais d'avoir recours à un tribunal international. Les tribunaux internationaux ont vocation à juger les responsables de violations graves du droit humanitaire international. Est-ce le hasard ? Au moment où on parle d'une liaison aérienne directe de Fort-de-France avec le Bénin, le président du Sénégal a lancé le 6 janvier les travaux pour la construction du mémorial de Gorée. Un mémorial dont on parle depuis 30 ans. On sait que c'est de l'île de Gorée qu'ont embarqué nombre d'esclaves à destination des Antilles. Ce mémorial sera érigé à l'ouest de Dakar. Il sera constitué d'une tour en acier de 108 mètres de hauteur, de quoi attirer les Antillais désireux de pratiquer un tourisme mémoriel. On ne sait pas si le Bénin va riposter ou s'il va se contenter de l'actuelle porte du non-retour. La compétition est en tout cas lancée pour attirer les touristes antillais et leur pouvoir d'achat dans des pays où le SMIC n'atteint pas toujours 100 euros par mois. Le président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, n'a pas su profiter de son amitié avec Aimé Césaire. Le président du Bénin, qui est essentiellement un homme d'affaires, semble déterminé à profiter, lui, de sa rencontre avec Bernard Ayotte, un autre homme d'affaires. Rappelons que les clowns d'Octet qui interviennent dans les hôpitaux auprès des enfants malades collectent actuellement des fonds pour financer cette activité particulièrement utile. Des urnes sont en place dans chaque pharmacie de Lille jusqu'au 15 janvier 2024. Ainsi donc, le plan Marshall mis en place par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a permis le paiement de 250 millions de l'argent dû par la CTM à des fournisseurs, à des prestataires ou à des personnes ou organismes bénéficiant de subventions. Il reste à payer 125 millions. Le président de l'Assemblée, Lucien Salibert, indique qu'il s'agit parfois de sommes dues depuis 2018. Il rappelle que la collectivité territoriale de Martinique a mis à la disposition de la pairie générale et donc de l'État 10 personnes pour accélérer les mandatements. La pairie aurait, elle aussi, mobilisé 5 personnes supplémentaires. Et nous avons reçu une fois encore, et avec intérêt, un article de l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll. Ces articles sont toujours à la fois très intéressant et très long. Très intéressant, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus de toute critique. L'important, c'est qu'ils suscitent la réflexion. En tout cas, nous vous proposons celui-là en 4 parties, dont voici la première. Le titre, c'est
Nous sommes bien à la veille d'un basculement de la départementalisation. Le nouveau cap envisagé très rapidement par le président Emmanuel Macron laisse augurer à terme des surprises de taille. Pour ce qui nous concerne, le problème des institutions de la Guadeloupe actuellement, c'est qu'elles ont été construites et pensées pour appliquer un modèle économique qui a été conçu initialement pour sortir de l'ancien modèle productif de la période coloniale et de la déconfiture de l'industrie sucrière. Tout cela a impliqué un autre modèle économique et social basé sur le développement des services publics et la consommation de masse. Mais maintenant, la donne est en train de changer car une Guadeloupe qui vieillit est par définition un pays qui consomme de plus en plus de services et de produits. De fait, dans le nouveau modèle économique qui se dessine pour l'avenir, la valeur des services va encore croître de plus en plus fortement et de plus en plus vite. L'augmentation de la classe moyenne explique l'augmentation de la richesse générale. Le fait découle de cet élément démographique qu'il est impossible d'avoir une absence de croissance économique. Ainsi, le système politique de la départementalisation a créé inévitablement de la consommation en plus, des attentes en plus, des besoins en plus. Nous sommes donc mathématiquement obligés à la croissance parce qu'il faut satisfaire de nouveaux besoins des agents économiques. Ça, c'est une approche à courte vue pour la bonne raison que nous devons envisager une croissance différente avec un double défi historique qui est le dérèglement climatique et la diminution de la taille de la population locale. En fait, là où l'équation se complique, c'est que nous sommes à l'aube de la révolution technologique la plus importante de tous les temps, au moment où il nous faut absolument changer de modèle économique. Il n'existe en fait pas de croisement providentiel plus incroyable que cela. Au moment où également l'humanité tout entière doit inventer un nouveau modèle économique avec l'éradication des matières premières fossiles et la révolution écologique, elle a la plus grande révolution technologique de tous les temps qui commence avec l'intelligence artificielle. Et vous avez tout de suite la parole dans votre avis compte. Êtes-vous surpris par l'ampleur du score 12-0 infligé au Golden Lion par l'équipe de Lille en Coupe de France? Nous vous écoutons. Êtes-vous surpris par l'ampleur du score 12-0 infligé au Golden Lion par l'équipe de Lille en Coupe de France? Énormément, hein. Ça fait beaucoup quand même pour une équipe, même si c'est des amateurs du R1, mm-hmm. Quand même, bon, ils auraient pu faire un petit effort quand même. Quand même, parce que bon, là, c'est tout. Tous les 10 minutes, un but, et pourtant ils se sont entraînés, voilà, ils sont venus une semaine à l'avance. Bon, c'est vrai que physiquement, c'était dur. Oui, quand même, puisque le football martiniquais, quand même, c'est pas ce niveau-là. Parce que d'habitude, on a déjà rencontré des équipes de deuxième division, et on a déjà même gagné en métropole et en Martinique le plus souvent. Je pense que il y a peut-être un manque de concentration, il y a un travail à faire au niveau un peu de semi-professionnel. Puisqu'on est des amateurs ici, mais il faudrait quand même changer les choses. Et puis il faudrait accélérer les choses, puisque je pense que c'est ce défaut-là qu'ils ont. Mais sinon, on sait jouer au ballon. Mais il nous manque un peu de vitesse. Ah oui. Manque à trouver au point de toi. Je prends trois buts. Je m'en vais pendant 5 ans, 5 buts, ben, comme ça, mais 12 buts au dimanche. Ah non. Ah ouais, il est trop. Je trop. Mais c'est dit, pas fait assez fort. En tout cas, pour moi, c'est une équipe qui n'a pas fait effort.
Oui, parfait. Bon. Puis au moins, pour, au moins, puis t'es fait en 5 buts, oui. Mais 12 buts. Êtes-vous surpris par l'ampleur du score 12-0 infligé au Golden Lion par l'équipe de Lille en Coupe de France? Je ne suis pas surpris, mais je suis un peu indigné même. Parce que si on regarde bien au fond, c'est une compétition qui ne mérite pas d'exister. Puisqu'on ne peut pas gagner la Coupe de France. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas au point pour avoir gagné. C'est pas la peine qu'on joue cette Coupe de France. C'est mon avis personnel. Non, je ne dirais pas infligé. Je dirais plus qu'ils ont fait de leur mieux. Parce qu'ils savent bien que c'était une autre catégorie. C'est pas la même équipe. Il y a, tu as du monde qui s'entraîne du lundi au samedi. Et en Martinique, on s'entraîne quand on peut, du moment qu'on peut, vu le travail qu'on a, c'est pas évident. Alors je pense qu'ils ont bien représenté quand même la Martinique, parce que c'était pas le même niveau. Et je suis fier quand même d'eux quand même. Parce que là, ils ont vraiment fait de leur mieux. Ils savaient bien qu'ils n'auraient pas pu mieux faire, quoi. Mais ils ont eu déjà l'ambition d'aller le faire, parce que faire du sport de haut niveau, c'est pas évident. Il y a beaucoup qui critiquent après devant leur télé, critiquent, mais c'est ce qu'on est sur le terrain, on voit vraiment ce qu'il en est. Et ils ont souffert un peu quand même aussi. Ben 12 euros, je pense que le niveau n'y était pas, c'était pas la peine d'y aller, il fallait chercher un adversaire à la hauteur de son niveau, quoi. Le niveau n'y était pas, voilà, c'est ce que je pense. Êtes-vous surpris par l'ampleur du score 12-0 infligé au Golden Lion par l'équipe de Lille en Coupe de France? La question dans votre avis compte. Un grand merci à ceux et celles qui ont accepté de répondre à notre question. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Peut-être suivez-vous le lamentable feuilleton dans lequel, c'est sans doute un rôle auquel il ne s'attendait pas, Alain Delon est l'acteur principal. Cette histoire de lutte fratricide autour d'un homme et de son héritage nous intéresse parce que Alain Delon est un immense acteur et donc un grand artiste que plusieurs générations ont eu plaisir à voir au cinéma. Mais elle nous intéresse aussi parce qu'elle nous invite à plonger quelque part aussi dans notre société. Il suffit d'ailleurs que nous rappelions de quoi il s'agit concernant Alain Delon pour que vous fassiez déjà ce plongeon dans notre société. La fortune d'Alain Delon se comptabilise en millions de dollars. Il semble que dans son testament, il ait décidé d'en laisser 50% à sa fille Anouchka et d'en partager les 50% restants entre ses deux autres fils. Cela signifie que Anouchka va hériter de deux fois plus de biens que chacun de ses frères. On imagine qu'hériter du quart de la fortune d'Alain Delon, c'est déjà être très, très, très riche. Mais apparemment, ça ne suffit pas aux deux frères. Ils s'en prennent donc à Anouchka. Et vous savez ce qu'ils lui reprochent? Vous le savez sans doute. Et comme nous, vous avez été surpris. Ils lui reprochent de vouloir faire émigrer leur papa, Alain Delon, en Suisse, pour que ses héritiers aient à payer moins d'impôts au moment du partage de l'héritage. Mais sérieusement, comment peuvent-ils faire ce reproche? Parce que si effectivement Anouchka met en œuvre ce stratagème, ça lui permettra d'hériter de plus d'argent et de biens. Mais cela permettra également aux deux frères de recevoir plus d'argent et de biens également. Et qu'est-ce que ça peut leur faire? Que leur papa aille finir sa vie en Suisse, eux qui ne vivent pas avec lui? Dès lors, il apparaît évident que la raison qu'ils donnent n'est sans doute pas la bonne. En avançant cette raison-là, ils veulent de toute évidence s'attirer les bonnes grâces des Français qui les féliciteront de faire en sorte qu'Alain Delon paye ses impôts en France et pas en Suisse. En avançant cette raison-là, ils passent pour les bons et les bons citoyens, tandis que leur sœur, eh bien, c'est la méchante, la tricheuse, la mauvaise citoyenne. Nous aussi, en Martinique, nous connaissons ça.
L'enfant qui consacre sa vie à aider ses parents sans que jamais les autres ne consentent le moindre sacrifice, d'ailleurs souvent ils sont même très loin, hors du pays. Mais lorsque la mort survient alors comme un vol de gerfaux, ils apparaissent pour essayer d'avoir la plus grande part possible de l'héritage, et si possible, bien plus que celle ou celui qui a mis sa vie au service de ses parents. Si Alain Delon a davantage donné de son héritage à sa fille, c'est sans doute parce qu'il a conscience que c'est elle qui est là avec lui, qui l'entoure de son amour dans ce moment pénible de sa vie. Et c'est cela que ses autres fils n'acceptent pas. Ça existe également dans bien des familles de Martinique. Nous pensons notamment à ce garçon, bien connu des Martiniquais, à qui ses autres frères et sœurs ont demandé de quitter immédiatement la maison familiale à la mort de leurs parents, au service de qui il venait pourtant de vivre plus de 20 ans. Lorsqu'il raconte cette catastrophe, il aime à s'apesantir sur l'épisode de ses frères et sœurs qui passaient en coup de vent les voir, lui et leurs parents, quand ils étaient en vacances en Martinique. Toutes ces félicitations qu'il recevait. « Heureusement que tu es là, heureusement que tu t'occupes d'eux, c'est admirable ce que tu fais !» N'empêche, tout cela est soudain oublié. Autour du cercueil, il n'y a plus soudain que l'argent qui virevolte. Passez une bonne soirée. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, pour terminer ce journal, la rubrique santé. Plusieurs maladies sont connues pour diminuer la salivation. Syndrome sec, manque de salive et de larmes, maladie de Parkinson, dépression, anxiété, maladie d'Alzheimer, douleurs chroniques, accidents vasculaires, maladies auto-immunes, notamment le sida. Plus rarement, une intervention chirurgicale de la tête et du cou peut causer une sécheresse buccale si l'innervation des glandes salivaires est lésée. Parfois, des calculs salivaires, c'est-à-dire un agglomérat de minéraux dans la salive, obstruent le canal excréteur de la langue, bloquant le flot salivaire. De nombreux médicaments également sont susceptibles d'affecter la quantité de salive. Des antidépresseurs, des antihistaminiques, des antipsychotiques, des tranquillisants, des analgésiques, des hypotenseurs. Certaines chimiothérapies ou radiothérapies pour les cancers de la tête ou du cou sont aussi susceptibles d'entraîner de façon plus ou moins temporaire de tels effets secondaires. Et enfin, l'avancée en âge est également un facteur qui accentue la sécheresse de la bouche. Il est important d'en parler avec son médecin ou son dentiste afin d'en trouver l'origine. À noter qu'un examen physique des glandes salivaires peut permettre de détecter un gonflement suggérant une obstruction du canal salivaire ou des blocages fonctionnels. Dans tous les cas, il est impératif de veiller à une hygiène bucco-dentaire irréprochable et de consulter très régulièrement son dentiste, voire immédiatement au moindre problème bucco-dentaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Pierre Laouché-Witz, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25, disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues, et SFR en France et également sur notre site kmttelevision.fr. Passez une agréable soirée, je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.